Ouais. Yo tout le monde, salut Monty, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le top monde, puisqu'il y a quand même une grosse dinguerie, les gars. Si on regarde rapidement les decks, regardez-moi ça. Ah bah ça a changé, évidemment, il a changé de deck. On avait Mineur Poison, le deuxième qui jouait Mineur Poison, le quatrième qui jouait Mineur Poison, Morten qui jouait aussi Mineur Poison, encore un petit... Non, lui, il joue pas Mineur Poison. Non, lui, il joue Double Prince. Un petit Mineur Poison pour Pedro. Encore, encore un. Allez, Sandbox. Petit Mineur Poison, les gars. Enfin, c'est ça partout. Je crois Adriel, il joue Mineur Poison aussi. Les gars, il y a du Mineur Poison à toutes les sauces. Je pourrais continuer comme ça pendant toute la vidéo. Ce deck-là... attendez, hop. Cette version-là, précisément, je pense que c'est la plus jouée. Le deck était déjà très très fort avant l'arrivée de l'équilibrage. Et maintenant qu'il y a eu nerf de certaines cartes, plus le buff des gardes. Oh là là, les gardes, la tour canon, vous allez voir, ça fait un carnage. Donc je pense qu'on va, bien s'intéresser à ce deck-là, voire même peut-être on va le jouer à la place de Legend, pourquoi pas. Par contre, il faut que je trouve des games, frérot. Ah, quand même, j'allais dire, on n'est pas si haut que ça en ladder. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Alors, on va lui souhaiter bonne chance. On est parti juste ici. Et, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a une petite bûche? Préfet Maestro. Faut pas, hein? Petit prince. Déjà, j'aime bien. Géant squelette contre notre deck. C'est plutôt nul. Parce qu'en général, c'est ballon. Ah, quoique si la cimetière, ça peut être chiant, ouais. Pas faire le fou non plus, attention au pêcheur. Parti, on va aller la sniper. Ça va faire demi-tour. Nickel. Bravus. Ah, dommage. Je pense un petit mortier. Petit mortier plutôt qu'un poison parce que je sais pas ce qu'il a encore dans le reste du deck. Ah ouais, première game, c'est GR là vraiment. Non. Pas première game les gars quand même. Première game, GRCIS. Non mais les gars, c'est quoi ce délire là? Comment je suis censé jouer ça moi? What? Ah non, c'est les cochons, ok. Cochons royaux, ça va je pense. Il devrait mourir du... Ouais, putain, on a bien placé les troupes là. On a pas trop mal défendu. Ok, le petit garde, j'ai bien aimé aussi. Le petit furaté là. Ça va le laisser. Hein. En plus, vu qu'il a plus de tornade, on va peut-être en profiter. Il va devoir électro là, non? Ouais, parfait ça. On va pas poison, hein. Ce sera abusé. De toute façon, il n'y a pas besoin. On n'est pas à 10. Ok, on a bien remonté. On a essayé de punir un petit peu son mid-click. Putain, il y a quand même push. Il est déter, hein. Ok. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant hein. Gérer le mortier comme ça, il va vraiment falloir def à chaque fois. En plus il a l'arti evo. On commence en beauté, hein. On a un deck non méta en face, je sais pas d'où il sort mais... Pas au max parce que moi je maîtrise pas 100% de mon deck. Hein. La maîtrise est pas encore ultra présente. Oh oui! Oh le sniping! Oh magnifique! Ah oh, bah vas-y hein, frérot hein. Fais-toi plaisir, hein. Active la tour du roi. Oh la pire active. Oh la pire active sur tour du roi les gars. Oh, on a eu chaud. J'ai eu un petit peu de mal. Hein, parce que le... normalement, le mortier aurait dû nous aider un peu plus que ça à gratter. Vous voyez qu'on pouvait défendre facilement les cochons, même sans bâtiment. Mais le séisme était un petit peu relou. Le séisme a failli nous coûter la game. Écoutez, hop. Tant mieux pour nous. Hop, première victoire sécurisée. En espérant qu'on ait un meilleur match. Oh, peut-être un match miroir. Oh, ça, on va en croiser plus d'un, je pense. On est match miroir.
Ok. Nickel. Ah ouais, c'est un match-up miroir. Sauf que lui, il a pas les tours canons. Donc est-ce que les tours canons vont nous avantager ou non? Ah, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable, c'est un match miroir. Et sauf que moi, je pré-shot. Hop là. Yep. En vrai la tour canon, en vrai la tour canon contre le mineur, ça va être pas mal. Hein. Bon dommage, on a pré-shot, mais on n'a pas réussi à défendre tant que ça le mortier, puisqu'il a qu'à pas instant en fait. C'est ça qu'il a fait. Alors on va mettre ça comme ça. Est-ce qu'il va pré-shot? Non, il va laisser tranquille, peut-être poison. Ouais, logique. Logique. Oh oui, oh oui, le dernier coup qui part sur ma, sur mon petit prince. Parfait ça. En vrai on est bien là, on est très très bien. Bon, je vais attendre voir où est-ce qu'il pose et on part à l'opposé. Ah ouais mais frérot, arrête de me copier un peu non? Sois original mec. Elle est où l'originalité là? Ok. On a déjà ramené quelques dégâts à la maison là. Puisque je rappelle, la tour de princesse a plus de points de vie, donc c'est un peu plus dur. Ok, nickel. Ah, un peu moins nickel. Putain, ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant ça. Ah ouais, ça c'est très très chiant, putain. Ah les gargouilles là. Oh les gargouilles au pont. Ok. Il a peut-être... il a abusé là. Oh il a abusé là. Il a abusé de fou non? Oh il a abusé de fou. Oh ça part les amis. Oh ça part très très fort. Ah ouais, ah ouais. Moi je sais que t'es en galère contre les gargouilles frérot. J'ai bien vu moi tout à l'heure. Eh ouais mon gars. Eh ouais mon gars. Je vais pas te lâcher hein. On le tient pas le callback les gars. Allez mon gars, je vais pas te lâcher. Let's go. Ah vous avez vu hein. J'ai senti qu'il avait trop forcé. En fait là il a fait de la merde, c'est quand il est parti à l'opposé. Non seulement il est parti à l'opposé, je sais pas pourquoi, parce que non, même s'il avait gratté des gars, bah c'était ma tour qui était full life. J'ai mis un poison, j'ai chopé petit prince, capa du petit prince, gargouille. Et à partir de là, on a enchaîné et c'était GG. Ok. Bah comme quoi il est bien popularisé. Et je pense qu'en miroir, je pense que la tour canon est quand même plus efficace. Puisque pour le mineur je peux laisser quasiment tout seul à chaque fois. Il met 3, je crois il met 3 coups. Un mineur sur une tour canon 15, ça met 3 coups seulement. Et ça one shot les gargouilles, ça two shot le petit prince, ça tue plus rapidement le guerrier. Ah bon, le seul inconvénient c'est que ça a un peu moins de points de vie. Mais sinon franchement c'est carré. Et je crois pas qu'il y ait beaucoup de match-up où la tour princesse nous servirait, hein, à part contre les cimetières. Allez, on est reparti. Pablo Cody, je crois lui, il joue un dig bizarre, non? Voilà, ouais, j'ai bien senti lui. Lui, son pseudo, il me rappelle pas des bons souvenirs. Je sais pas ce qu'il joue, mais ça sent pas bon. Oh putain, j'avais même pas capté que je jouais pas le bon deck en plus. Je joue vraiment pas le bon deck pour croiser un deck chelou comme ça, là, avec les squelettes et tout. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, bonne chance, hein. C'est ce que je peux dire. Ok, il va sûrement kappa. Ouah, j'en étais sûr. J'allais dire, ce gros débile, il va kappa. C'est pour ça que j'ai mis le poison. Et il a même kappa après que j'ai mis le poison. S'il avait été un peu plus réactif, il aurait pu éviter ça. Qu'est-ce que c'est? J'arrive toujours pas à ça. Est-ce qu'il a une pompe? Je crois qu'il a une pompe, les gars. Je crois qu'il a une pompe. On va cycler les gardes. On va pas cycler les gardes au pont. On va cycler le petit prince fond de map. Petit prince fond de map.
Ok. Mortier, Mortier bait. Ouais, pourquoi pas. Hein. Oh, il s'est fait soulever. Oh, il s'est tellement fait soulever par le... Incroyable. Incroyable. Hop. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le mineur, hop, il met trois coups. Tranquillement, pendant que nous, on repart mortier. Il vient de poser son roi squelette en plus de ça. Est-ce qu'on peut pré-shot un petit truc? Oh. On peut bien mettre un petit esprit sur le côté. Histoire d'aider un petit peu. On peut à minima... Ouah, c'est chaud là. Au lieu de raconter ma life, on va se concentrer sur la def. Ok, ça dev bien. Hein. Ok, c'est bon, tranquille. S'il rajoute quelque chose, on peut mettre une bûche. Tranquille, les gars. Hop. 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 Flèche. Ouais, c'est pas trop grave. S'il va quand même kappa, putain, ils aiment trop ça. Hein. En vrai, là, il avait raison, c'était une bonne kappa. Là, par contre, les gargouilles, pas nécessaire, les gargouilles. Féro. Et ouais, ça repart direct, mon gars. C'est reparti. Hop. Ouh. Oh, c'est chaud, là. Oh, j'ai peut-être déconné là. Oh la bûche. Oh, oh la bûche de fou. Oh la bûche de fou. Eh non mon gars, ça va pas suffire. Et non mon gars. Et non mon gars, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. GG. Oh le pré-shot. Magnifique. Bien joué. Eh bien écoutez, 3 sur 3 pour le moment. 3 sur 3 pour le joueur français. Je pense que celle-là c'était la plus dure, clairement, avec toutes ces petites troupes bait. Heureusement qu'il a mis 2-3 capas bien guettes à droite à gauche. Parce que je pense que ça... Bah, de toute façon, une capa où j'ai pas de sort, j'ai perdu. Hein. Il peut one-shot mes gargouilles avec ses flèches et tout. Ça pardonne pas. Hein. La tour canon, elle fait que dalle contre une armée de squelettes. Déjà, contre une tombstone, c'est galère. Mais alors, contre une armée de squelettes... Oh, cochon. Cochon séisme, je crois pas que j'ai testé. J'ai testé... Cochon classique 2.6, mais cochon c'est, je pense pas avoir testé. Est-ce qu'il va mettre une artie derrière? C'est sûr, il met une artie derrière. C'est écrit dessus, il met une artie derrière. Ok. Ah, il l'a mise là. Je pense qu'il va rajouter un truc. Voilà, j'étais sûr. Est-ce que je peux quand même activer? Oh oui, j'ai réussi à activer! Oh, magnifique! J'ai réussi à activer alors que l'artie était du mauvais côté. Magnifique! Et on a pris 0 dégâts. Enfin, on a vraiment une petite éraflure sur... Oh, ça, je prends. Oh, regardez. Il va devoir kappa. Oh, exceptionnel. Exceptionnel. Hop, viens par là, toi. Oh oui, putain, mais on est bon, hein. On est bon avec le deck, on a un petit truc, là. On a un petit feeling. Gobelin. Ah, j'avais pas assez. Je savais qu'il allait mettre TAB sur le mortier, mais on n'avait pas assez pour bûche et garde. Après, si je peux mettre un petit peu plus... Ça tape, hein. Ça tape pas. Vraiment là, il met une capa là comme ça. Pas très cool ça, mon ami. Hein.
Vraiment pas très cool de faire ça. Hein. Normalement ça défend là. Oh, je connais tellement pas les interactions les gars. C'est une catastrophe. Hein. Oh les gargouilles. Oh les gargouilles qui connectent, magnifique. Ok. Bah je pense qu'on a gratté un peu plus que lui quand même. Hein. Shot Arty. Ah, j'arrive pas à choper les Arty. Hein. Il va Kappa. Ah, bien joué, bien joué. Il va Kappa. Allez, Kappa. Ok. Ah c'est tendu. Ah j'aime bien les games comme ça les gars. Ah j'aime bien. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Non il est bon. Il varie et tous ses attaques, il est très très bon. J'aime bien quand ça joue comme ça là. Oh il passe tous ses pré-shots hein. Ah ouais mais frérot je peux rien faire contre ça. Ok. C'est peut-être tiens un peu dessus là hein. Est-ce que le joueur français peut le faire les amis? Non! Putain! J'ai capté trop tard ce qu'il fallait que je fasse! Vous avez compris ou pas? En fait, j'ai capté trop tard qu'il fallait que je joue avec les mortiers au milieu et que je décale le cochon à chaque fois. Comme ça, il pouvait pas pré-shot Arty et il pouvait pas pré-shot... Dommage! Non, franchement, bien joué. Là, ça se joue manque d'expérience de ma part. Je connais pas du tout le match-up. Ça se voit que je maîtrise pas encore le deck, mais... Vous avez vu, on a capté à la fin. À la fin, j'ai vraiment commencé à... Je crois qu'on avait... Il avait 1800 et moi, j'avais 600. Et on a quasiment réussi à le remonter... En jouant parfaitement. C'est juste les dégâts des sorts. Bah, je peux pas encore éviter les dégâts du séisme, les gars. Je suis pas un magicien. Est-ce qu'il a un pêcheur? Non, il l'aurait déjà mis. Est-ce qu'il a des flèches? Il les aurait déjà mises. On est bien là s'il défend pas. Hein. Hop. Venez par là. Hop les. Hop là. Trois gommelins lance. Je les ai ratés. Oh, à droite, ça gère à droite, hein. À droite, ça fait son petit bout de chemin, les gars. Hop, le petit esprit de glace qui saute. Magnifique. Magnifique, mon petit esprit de glace. Oh, je vais prendre tarif pour deux gobelins à lance. Ouais, c'est trop ce jeu, c'est trop. Est-ce qu'on ferait pas des petits gardes comme ça, là? En petit pré-shot, là. Hop. Oula. Bizarre. Bizarre l'ambiance. Très, très bizarre l'ambiance. Oh oui, magnifique. Gang. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. On voit. Ouah, recrue, ça va être chaud, hein. Recrue, j'ai peur du reste de son deck, en fait. J'ai peur s'il a des flèches chasse. Et je sais pas s'il a des flèches. Je pense qu'on va... On va faire ça comme ça, les gars. Il va falloir être... Ah, il a les drag squelettes. Il va mettre drag squelettes au middle, faut pas oublier. Il va falloir protéger tout ça. Ok, je pense que ça gère à peu près. Hein. De toute façon, je pouvais pas mieux faire. Hein. Hop. On repart direct, mortier Evo. On en profite, on essaye de lui mettre la pression. Il va sûrement rajouter un truc. Hein.
Ok, on essaie de rapprocher le squelette. Oh oui, magnifique. On a réussi à rapprocher le géant squelette de la tour. Oh là là, vous avez vu le placement du mineur? Incroyable. Incroyable le placement du mineur là. En plus, il a plus les recrues Evo. Oh, magnifique. Magnifique, les gars. Nice. Hop. On continue de mettre la pression avec les mineurs. Oh les gars, la game de fou qu'on est en train de lui lâcher là. Oh oui. Oh, il a pas abandonné. Il va pas lâcher hein. Il est courageux, il est courageux. Mais je crois que le courage, ça ne suffit pas dans ce monde, malheureusement, les gars. C'est parti! Eh, eh. Oh non. Attendez, là. Ça finit pas? Ça finit pas du tout, là? Non, 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 non. Le pré-shot des flèches.